Bonjour, je me présente David Giroux, ambassadeur jeunesse pour la Tablée des Chefs. Aujourd'hui, on va préparer une recette de hash brown, ou connue sur un autre nom peut-être de rosti de pommes de terre. Fait que c'est une recette qui a été inventée en 1890 dans l'État de New York, de base, qui était juste de la pomme de terre. Mais aujourd'hui, on va essayer de réinventer un peu les choses en prenant tout ce qu'on peut trouver dans le frigo et des fois dans le garde-manger pour pimper la recette. Fait qu'aujourd'hui, moi ce que j'avais une base de pommes de terre, j'avais de la courgette, des carottes et de la courge butternut. Tout ça qu'on va râper, simplement, grossièrement. Ensuite, tout mélanger dans un bol. Un bol avec un torchon comme ceci. Un torchon propre, s'il vous plaît. Donc une fois que tous les ingrédients sont mis dans le torchon, on va y aller avec un assaisonnement très simple, sel et poivre. Faut quand même être assez généreux, parce que sinon ça va être plein, ça goûtera rien. Pour la deuxième étape, on va prendre un autre cul de poule. On va prendre le torchon, on va faire un petit baluchon avec. Puis on va bien presser le tout pour sortir le max de jus. Parce que s'il y a du jus qu'on va essayer de le faire retirer, en fait ça va pas retirer. Okay. Une fois que c'est bien égoutté, le jus on peut débarrasser sans aucun problème. Et le restant, on va le mettre dans un autre cul de poule. Le linge lavage. Et on va simplement juste mélanger le tout. Donc une fois que les légumes sont bien mélangés, on va prendre une poêle anti-adhésive si possible, mettre le feu très fort, mettre un petit peu de beurre et attendre que la poêle soit très 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 chaude pour lui mettre la galette qu'on va placer, tapisser dans le fond de la poêle. Donc pendant que notre galette de rosti cuit, on va préchauffer notre four à 400 degrés et se préparer pour faire une sauce pour l'accompagner. Donc la sauce est super simple. On va prendre une base de yogourt nature, ça peut être yogourt grec, et on va l'assaisonner, même chose, avec tout ce qu'on trouve. Donc, moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire lime, cumin, huile d'olive, sel, poivre. On peut très bien mettre paprika, cayenne, on peut vraiment y aller selon vraiment son goût. Une fois que notre rosti est sorti du four, on va pouvoir le garnir de notre sauce yogourt. Simplement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une recette quand même assez simple que vous pouvez faire avec presque n'importe quoi qui reste comme légumes dans votre frigo. Vous pouvez même utiliser des pieds de brocoli, des oignons, ça se fait même avec du céleri. Vraiment, c'est vraiment à votre guise. Donc, sur ce, bonne dégustation, puis restez chez vous.